nous allons vous présenter une jeune femme qui est née aussi le 25 avril. Exactement. Jusqu'au bout, vraiment. Jusqu'au bout, elle a 29 ans. Elle est danseuse, actrice, mannequin, mais aussi activiste. Elle est née aux États-Unis d'une mère philippine et d'un père afro-américain. Elle a vécu le harcèlement, l'homophobie, le racisme et la transphobie parce que Lena est née dans le corps d'un garçon. Aujourd'hui, elle joue dans le film Port Authority, film qui a fait sensation cette année à Cannes. Okay, so what's your name? Paul. I'm white. They need more mothers like me. I know I may look like a father, but I'm a mother by nature. I met this girl. So what are they doing in this category? It's for the femme queens. Femme queen? She told you she was trans, right? Met me at a ball. This is my family. You can't see things on just the surface level. I just think about taking back all the space that the world doesn't give me. What if someone like me wanted to join a house? Why would someone like you want to join a house? Bonsoir Lena Bloom. Hello. Bonsoir. Ravie Bonsoir. De vous accueillir à la table de C'est à vous. Vous êtes une pionnière, première femme transgenre noire à apparaître dans le Vogue India, seule femme transgenre à défiler lors de la Fashion Week de Paris en 2018 et surtout le 18 mai 2019. Vous marquez l'histoire puisque vous êtes la première actrice transgenre de couleur à fouler le tapis rouge de Cannes pour le film dont on vient de voir la bande-annonce. Vous en aviez rêvé de ce moment depuis toute petite. C'était une sorte de revanche sur tous ceux qui vous avaient harcelé, qui vous ont ri au nez quand vous vous présentiez dans les agences de mannequins, qui vous disaient d'abandonner. I think definitely this was Je the crois que oui, c'était la meilleure vengeance qui ait jamais pu avoir. En grandissant, l'idée que l'on me voit à la télé ou dans les films, enfin, on n'y croyait pas. Et donc, j'ai eu la chance d'être née à une période où on peut me fêter, on peut me célébrer, on peut me respecter en même temps. Je pense que c'est très important d'avoir ces médias, la culture, et je suis ravie que le monde va dans ce sens. C'est votre premier rôle au cinéma, et vous le dites, le personnage que vous interprétez, Why? Il vous ressemble beaucoup. Vous dites même, c'est ma sœur jumelle. Tout à fait. Why est une combinaison de beaucoup de femmes trans que j'ai connues, que j'ai appris, que j'ai célébrées. Ces femmes sont ma définition de ce qu'un vrai supermodèle. Ce que j'ai fait, donc c'était à Port Authority, c'est mon histoire. Quand je suis arrivée de Chicago, je suis arrivée à Port Authority. J'avais personne pour venir me chercher. Je devais faire au culot, je devais faire moi-même. Donc elle représente beaucoup de femmes trans et aussi des femmes cisgenres. Dès la première image, on a dû vous le dire, Lena Bloom, on voit que la caméra vous adore. C'est assez... confondant votre naturel, votre présence comme une apparition. Et si Why et son personnage vous ressemble, vous allez sûrement avoir pas mal et beaucoup d'autres propositions. Comme Why, à 16 ans, vous avez commencé à danser, mais c'était compliqué parce que la danse classique ne voulait pas de vous. Oui, c'est vrai que nous vivons dans un monde très conservateur. Les gens qui ont des rêves doivent en fait se plier aux règles qui existent depuis des siècles. Et ces règles sont datées, sont désuètes. J'ai toute cette énergie, je voulais danser, c'est toute une tradition dans ma famille. Mon arrière-grand-mère était enseignée la danse et puis elle a appris aux femmes noires de s'aimer et de célébrer. Donc elle les a éduquées dans la danse. Donc pour moi, c'est un moment wow pour moi. C'est un moment très spécial que l'on me fête, que l'on me célèbre dans mon premier film. Donc demain, je vais faire la concurrence au Festival du Vosges, donc le Festival de Cannes. Je veux continuer et je pense que tous ceux qui voient le film voient un petit peu d'eux-mêmes dans le film. Si vous avez souffert de harcèlement, votre famille, elle, vous a toujours soutenue, à commencer par votre père qui, je crois, a été le premier à même vous acheter des poupées quand vous étiez enfant. C'est vrai.
C'est vrai, c'était un homme noir qui vivait dans le sud de Chicago. Et il savait que tous les enfants ont besoin d'amour. On est tous uniques, on est tous singuliers, on est tous spéciaux. Et en fait, il savait que ma vocation était d'être artiste et il voulait le célébrer. Et il voulait s'assurer que moi, je me concentrais sur le but et que l'on me respectait. Je respectais mon art, il faut se respecter soi-même, il faut toujours se rappeler que l'on mérite le respect. Donc, il a instauré ça chez moi, c'était un militaire. J'avais beaucoup de chance d'avoir un père si fort dans ma communauté. Beaucoup de familles ne célèbrent pas, n'acceptent pas les LGBT. C'est pour ça que les ballrooms existent, parce que beaucoup de LGBT sont virés de leur maison, donc ils trouvent une sorte de refuge dans cette communauté de ballroom. Donc, c'était un kiki ball. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, eux, cherchaient une manière de s'exprimer. Ils voulaient de la concurrence, l'idée d'aller jouer au foot ou le football américain. Pour moi, je me dis, j'aimerais bien faire ça. Et puis, cette idée de vivre dans des espaces publics, demander la sécurité sociale, s'inscrire dans les universités, c'est un petit peu compliqué pour nous. Parce que les gens ne veulent pas nous voir heureux, aimés, célébrés. Et mon père me rappelait tout le temps à quel point j'étais unique. Et je m'en rappellerai tous les jours. Pour revenir aujourd'hui, on a vu Laverne Cox faire la couverture de Cosmopolitan. On a vu India Moore faire celle du Elle, devenir égérie Louis Vuitton. Chanel également. Victoria's Secret a finalement fait appel à Valentina Sampaio pour son prochain défilé. Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent enfin ? Absolutely. I mean, oui, tout à fait. Il y a 5 ans, d'avoir cette conversation n'existerait pas. Ce serait impossible. Nous vivons un moment où la société trouve une place pour nous. On peut avoir une place vraiment au premier rang. Il y a beaucoup de travail quand même, parce que même l'année dernière, il y avait 26 femmes trans qui ont été assassinées. Déjà cette année, 17. Donc on parle de la brutalité policière. Eh bien, on va dans le bon sens, mais cela va trop doucement. Et petit à petit, on raconte ces histoires comme Daniel Lesovitz, les directeurs de casting, Damien Kane et toute l'équipe, on veut rassembler les gens et tous ceux qui ont vu le film. Je pense ils s'y voient un tout petit peu, même si c'est juste un tout petit peu. Mais ils connaissent des trans, ils ont un cousin qui est gay, qui est homosexuel. Ça fait si longtemps qu'on est là, mais on a les médias sociaux et on a la lumière sur nous. Vous, la pionnière, la prochaine histoire que vous allez écrire, c'est la première femme transgenre actrice à décrocher un Oscar. Ce serait bien, non? Si j'en rêve assez longtemps, ça peut se réaliser. On ne sait pas. Il y a tellement d'histoires à raconter dans le monde pour moi. Être la première femme transgenre d'assister au Festival de Cannes, être dans Vogue. En grandissant, je me disais que le monde ne m'accepterait jamais. Mais cela se réalise. Et me dire qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter, à écrire, on va y arriver, on va y aller. Mais on a besoin de votre aide. Et puis, il faut écouter, il faut protéger la prochaine génération des enfants aussi, parce que la sexualité, l'identité, la transsexualité, la sensualité, on le vit tous. On a des essences de masculinité et féminité tous. Et bien, on nous apprend à le supprimer, à le refouler. Les femmes doivent jouer avec des filles doivent jouer avec des poupées, des garçons avec des camions. On est cantonné dans ces rôles de genre. Et puis, il faut que les gens se comprennent mieux, qu'ils apprennent. Et je crois que c'est ça, le film. Et le personnage Finn, c'est ça qu'il a compris sur sa masculinité. Il faut vraiment laisser vivre son côté masculin et son côté féminin. Ben, voilà. Port Authority, ça sort en salle le 25 septembre prochain. Et c'est recommandé par C'est à vous. Merci Léna Blum d'être venue ce soir nous en parler. C'est à vous qui recommande aussi très, 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 très chaudement Les Reins et les Cœurs. Le récit signé Nathalie Reims aux éditions Léo Cher. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez revoir cette émission dès ce soir à 23h30. Demain, dans C'est à vous, Joe Star et Béatrice Dalle. Faudra s'accrocher. Ça décoiffe.
C'est promis. On se tourne vers Aurélien, si vous le voulez bien, pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On vous embrasse. Ciao.